Coucou, aujourd'hui on a un nouveau jour, on est samedi. Yeah! Là, il est 16h30. Je suis en train de travailler un petit peu, je réponds à plein de messages que vous m'avez envoyés, donc ça c'est cool. Dans 1h30 à peu près, je descends à Marseille. Je vais t'amener voir une exposition. C'est une expo, c'est un vernissage d'expo sur des portraits. C'est une copine qui s'appelle Charlie Oplune qui m'a invitée. Et en fait, du coup, je vais pouvoir la rencontrer, donc c'est trop cool et je te montrerai. Et ensuite, je t'amène au théâtre voir un spectacle comique. Et c'est trop bien parce que du coup, on va faire des activités. Alors, il y a une petite toute mignonne. Qui arrête pas de m'appeler, du coup on va l'appeler ensemble. En fait, tu te souviens dans le live, j'avais donné mon numéro de téléphone et j'avais dit bah, appelez-moi, laissez-moi des messages et je vous rappellerai tous. Et en fait, petit à petit, j'appelle tout le monde et j'envoie aussi beaucoup de textos. Et du coup, ma petite mignonne, elle m'appelle. Salut, c'est Kenza, je suis pas là. Coucou Kenza, c'est Laetitia, je voulais te faire des gros bisous. Tu veux qu'on essaye de rappeler d'autres personnes? Chaque fois que j'appelle, personne ne me répond. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06. Oui, Laetitia, c'est encore moi, désolée de te déranger. Mais voilà. Mais rappelle-moi quand tu peux, désolée encore de te déranger. Salut, bisous. Oui, Laetitia, c'est Lola, tu m'as donné ton numéro il y a environ... Ah, c'est Lola. Lola, c'est une petite qui est trop mignonne, qui m'a écrit une lettre hyper gentille. Sur Instagram si tu voulais t'appeler, tu m'as pas encore. On va l'appeler. Je sais que ça va lui faire vachement plaisir. Coucou Lola, c'est Laetitia, ça va? Coucou Laetitia. Tu vas bien ma chérie? Et toi? Oui, je t'ai appelé pour te faire des gros bisous. Moi aussi, je suis trop... Oh là là. Tu vas bien? Et tu passes toi une bonne journée? Merci de m'avoir appelé. Bah de rien, c'est normal. C'est toi qui es gentille de m'appeler, de m'envoyer des lettres et d'être gentille tout le temps. Au revoir. Gros bisous ma chérie. Coucou Laetitia. Donc c'est Kram, je t'attends un peu pour prendre tes nouvelles. Voilà, j'espère que tu vas bien. Nous ça va, voilà, c'est juste pour savoir ce que ça faisait d'avoir l'une de mes 10 préférées au téléphone. Désolée, c'est mes enfants derrière. Donc voilà, je te fais d'énormes bisous et continue à nous arriver, à nous faire sourire et puis j'espère savoir très bientôt. Bye. Enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Coucou Ikram, c'est Laetitia, je voulais te remercier pour ton gentil message et pour tous tes messages que tu m'as envoyés. Allô? Coucou, c'est Laetitia. Ça va? Ça va et toi? Mais ça va, je suis très contente de te remercier à toi parce qu'en fait, je t'explique, je suis en première année de médecine et je travaille tout le temps. Et la seule chose que je fais, c'est à midi, je regarde tes vidéos et ça me fait une petite pause. C'est vrai. Bonne expo et bon théâtre. Merci. Je te fais des milliers de bisous. Essaye d'écouter celui-là. Coucou, ben en fait on était abonnés et puis on voulait te dire que tes vidéos elles sont super. Elles sont trop bien. Et ben continue comme ça parce que c'est vraiment super ce que tu fais. Bisous. Bisous. Oh, trop mignonne. Je vais les rappeler. Oh, t'es bien sur mon répondeur. C'est bizarre ça. Coucou les voilà, bah, je t'appelais parce que j'aime bien tes vidéos et elles sont trop marrantes et elles c'est de la joie de... Bon, faut que je me prépare, je suis trop à la bourre. Bisous. Coucou, il est 18h, je décolle enfin, je suis un tout petit peu en retard mais c'est pas trop grave. Alors le programme de la soirée, je te le redis,
Il a un tout petit peu évolué, mais en mieux. Attends, merde. Je sors. Putain, mais il m'a serré, lui. Je vais chercher Lila au Vieux-Port, à Marseille. On va voir l'exposition et rencontrer ma copine Charlie aux plumes. Ensuite, on monte au théâtre. D'ailleurs, il faut que je regarde à quelle heure c'est, parce que en fait, je sais même pas. Après, la bonne nouvelle du jour, c'est qu'il y a ma copine Émilie qui va débarquer à la maison et donc dans les vlogs dans quelques jours. Alors Émilie, je sais pas si tu te souviens, c'était la meuf qu'on avait rencontrée à Ushuaïa, et c'est la meuf avec laquelle j'avais dansé dans le lac gelé, tu t'en souviens? Donc en fait là, elle est revenue de son road trip, elle a terminé son grand road trip en Amérique latine, elle est revenue en France et elle se fait un mini road trip français de tous ses potes. Donc elle va passer quelques jours à la maison et on va faire plein d'activités. Moi j'aime bien quand j'ai des copines parce que du coup Farid, il me laisse ma voiture. Donc ça c'est bien, ça permet de faire plein d'activités, donc c'est trop bien. Et ce qui est génial, je sais pas si je te l'ai dit, mais j'ai gagné des places pour le grand truc de Virgin. En fait là, dans une semaine, Virgin va faire un gros truc, c'est la matinale de Virgin au Dôme. Il y a à peu près 8000 personnes, ça va être un truc énorme. Et donc j'ai gagné des places, du coup on ira avec donc ma pote et avec une autre fille que tu connais. Alors malheureusement, j'ai plus vraiment les vidéos de quand on avait passé une soirée ensemble, mais en fait elle s'appelle Toine Minipied. Et en fait c'est une fille qui suivait mes vidéos. Et on s'était rencontrés, je l'avais invitée en fait. Comment ça s'était passé? On s'était rencontrés parce que je lui avais fait une surprise et je l'avais invitée à un concert, le concert de Joseph Salvat. Et du coup on s'est trop aimé. Et maintenant on est copines, mais chaque fois que je rencontre des filles qui suivent les vidéos, on s'aime parce que forcément, tu vois. Et donc on y va ensemble, ça c'est génial. Et il me reste une autre place, on en a gagné 4. En fait, toi de Minipiel en a gagné 2. Donc une pour elle, une pour moi, et moi j'en ai gagné 2. Donc une du coup pour ma copine. Et il y en a une autre que je vais faire gagner à une fille qui suit le vlog. Et ça c'est trop bien. Donc je vais organiser un petit concours et puis je vais inviter quelqu'un. Et ça va être très sympa. Voler l'appareil, je l'enroule comme ça contre moi parce que j'ai des traumatismes de vol. Ah ouais? C'est trop bien de faire ça comme ça. Si jamais il te vole, il t'arrache le bras en même temps. Et c'est plutôt cool. Moi, je préfère qu'on me vole mon appareil photo et qu'on me casse le bras en même temps. Moi, je fais d'une pierre deux coups. Écoute, je suis avec quelqu'un que tu connais. Est-ce que tu la reconnais? C'est ma Lila chérie. Lila, c'est la fille avec laquelle on avait été dans le bar des putes. Voilà, c'est ça. Tu t'en souviens? À Paris. À Paris. C'est ça. C'était bien quand même. Hein. Ouais, franchement. Là où on avait bu le thé à combien? À 12 dollars. 12 dollars. Ouais, 11 euros. 11 dollars le thé. Ouais, je suis toujours. 11 dollars le thé. On est toujours choqués. Alors là, on va dans un vernissage. Voilà, la pompe. Je suis en train de ça. Je te fais confiance. Non, mais là, on va dans un vernissage. On sait pas très bien où c'est, mais on y va. Ouais, et ça va être cool et je vais te le faire visiter. Quasiment une heure de retard pour aller. Une heure. Mais je crois qu'en fait, le théâtre, Tati. Mais je sais même pas s'il va nous faire rentrer. Je sais même pas si on aura le droit de rentrer. C'est là-bas. Alors je te montre, on arrive au théâtre de Tati à Marseille. C'est tout au bout et c'est tout fermé. Je sais même pas si on aura le droit de rentrer. Tu peux tout me dire. Mais si tu ne veux pas, on pourra s'en parler en privé. Je n'avais pas la laisse personne. J'ai vas-y, faire un baisse tout près de mon corps. Fais attention à ma voix, c'est mon outil de travail. C'est comme si je pisse. Oh,
quelle pute. refais-moi ta pute, grave. Vas-y. On vient de faire un accord de pute. Oui, vous avez dit. La 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 la. Arrêtez de sourire bêtement comme ça. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? Alors là, C'est pas comme ailleurs. Alors je vais reprendre le bateau. Et je vais rentrer sur le continent. Ah non, oh non, pas en vrai, hein. Moi, être au bout du monde. En vrai, de grands enfants. Il y a une expo, donc on va visiter l'expo et je vais t'en montrer une petite partie, mais je te conseille de venir pour voir la suite. On fait une petite sélection de préférés quand même. Alors on fait les préférés, ouais, de Layla. Moi, mon top 3, c'est belle. Franchement, elle est hyper kiffante. Celle-ci s'appelle Métis. Je trouve qu'elle est super belle et elle parle. Elle évoque beaucoup de choses. Ouais. Génial. Ça s'appelle le rythme. Non mais regarde-moi cette photo, elle est super belle. C'est génial. Et l'artiste s'appelle Mr. Kana. Oui, sûr, je vais aller sur sa page Facebook parce que franchement, ce flow d'artiste là, moi j'ai dit. Mais putain, je t'ai pas dit. Je l'ai pas trop filmé parce que j'avais honte de lui proposer. Je sais pas, j'étais un peu timide, du coup je l'ai pas trop filmé. Mais j'ai rencontré une blogueuse qui s'appelle Charlie aux plumes ce soir. On va se revoir, elle et moi. On va aller visiter l'usine de savon de Salon de Provence. Elle s'appelle Charlie aux plumes. Il faut vraiment que je te montre son Instagram et son site. La meuf, elle fait des bijoux et des trucs décoratifs avec des plumes. Elle est tellement forte, mais tellement forte. C'est génial ce qu'elle fait. Je suis trop contente de l'avoir rencontrée. Elle est belle qu'elle en peut plus. Elle est toute mignonne avec une tête mignonne de dessin animé. Elle est tellement gentille, c'était trop bien. Bon, je te fais des bisous, je te dis à demain. Je suis hyper heureuse et voilà, je te fais des gros gros bisous. Je t'aime très fort. Ciao. Et je sais que je t'avais dit au revoir, mais pour que je te fasse écouter une chanson qui est magnifique. Magnifique. C'est une chanteuse des années de l'ancien temps, des années 40 je crois, qui s'appelle... Attends, oh là là, comme c'est... Attends, je me souviens plus de son nom. Lucienne Bail, c'est ça? Bailleur, Baillet. Lucienne Baillet. Il faut que t'écoutes ça parce que c'est magnifique. Écoute-moi ça, c'est magnifique.